suis Sarah Enfou, joueuse franco-camerounaise. Je représente le Cameroun depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé le ping à 8 ans grâce à l'école. On a eu la chance d'aller faire une séance d'initiation dans un club à Lille. J'ai kiffé, je suis restée et ça fait plus de 30 ans maintenant. Ce que j'aime, c'est que, on le dit souvent entre nous, c'est qu'on fait un sprint en faisant une partie d'échecs. Et ça, je crois que c'est le seul sport au monde où on fait ça. On doit réfléchir très vite, s'adapter constamment. Les joueurs sont tous différents, il y a des styles de jeu différents. Et ça demande des capacités très différentes, physiques, mentales, stratégiques. Et ça, j'adore. Je pense que je suis une joueuse physique. Et je pense que j'arrive à combler peut-être le manque d'entraînement qui est lié à mes contraintes personnelles et professionnelles par une réflexion sur mon sport, mon style de jeu et les adversaires. Le meilleur souvenir, c'est les championnats d'Afrique en 2010. C'était la première fois que je faisais les championnats d'Afrique au Cameroun, devant la famille, et j'ai gagné. Et ça, c'était juste incroyable en termes d'émotion. L'asso, elle a été créée en 2006. Ça fait donc bientôt 20 ans maintenant. On collecte des équipements de sport, ça c'était la première étape. On fait des formations d'entraîneurs, des training camps pour les jeunes. On construit des tables de manière artisanale pour que les enfants puissent jouer un peu partout. En France, on a notamment un programme qui s'appelle Des plaques pour tous. Ce sont des urnes qui sont disposées dans les clubs, qui permettent de récolter des revêtements, des raquettes, des maillots qu'on redistribue ensuite dans le cadre de nos projets, principalement sur le continent africain. L'idée, c'est pas forcément de faire des filières de haut niveau. Le slogan, c'est l'éducation pour la raquette. Donc c'est d'utiliser le ping comme support pour transmettre des valeurs et permettre aux enfants de grandir en tant que personnes plus que du haut niveau. Mon quotidien, c'est un quotidien d'avocate. J'ai mon cabinet à Toulon. Je me réveille à 5h, j'essaye de faire ma prépa physique le matin. Ensuite, je vais au cabinet, j'essaye de profiter de la pause déj pour faire mes séances d'entraînement. Puis ensuite, je retourne au cabinet. Donc, ouais, une discipline, beaucoup d'organisation. Ma semaine de travail, j'avais sur 7 jours, donc pas de jour de repos. Et ça, depuis quelques années. Je suis passionnée. C'est passionnant, c'est difficile, mais j'adore ce que je fais. J'ai d'autres passions, j'adore bouquiner. Ça, c'est la littérature française, des grands classiques aussi américaines, j'adore ça. J'adore la musique, j'ai pas le temps d'aller à des concerts, mais je suis fan de jazz. Un de mes rêves, là, quand je vais prendre ma retraite, c'est d'aller au festival à Montreux. Voilà, je dirais ces deux-là, en plus des autres, et plein d'autres choses, découvrir des choses, sourire au monde.